tout le temps. Mais moi, j'ai stressé, je savais pas pourquoi j'ai stressé. Yeah, I'm excited. Je comprends l'importance d'avoir un notaire. Comment tu te sens? Soulagé. Tu te sens soulagé? Soulagé sur ce dossier. Ok. Comment tu te sens? Tester des nouveaux produits pour eux. Donc, ce sera une grande première sur Dakar. Ouais. Moi, t'as pas de dire, je comprends même pas l'espoir de fermer de construire. C'est quoi en fait? De fermer de construire? Oui. Normalement. Normalement. Ok. Pour construire. Que ce soit du nouveau, de la modification, rénovation. Dès qu'il y a un changement, normalement, tu as besoin d'un permis de construire. Même modification. Même modification. De suite Sénégal, donc 90 jours chez Réalité, ça continue toujours. Donc c'est mon stage, oui, ça continue, on est toujours en stage. Et cet épisode, on va un peu parler de permis de construire. Nakateyo, quand tu as un terrain ou si tu as un projet immobilier, il faut que tu demandes le permis à l'État ou au Sénégal de construire. Je savais pas que c'était comme ça. Moi avant, je pensais que tu as ton truc et tu construis quoi. Donc aujourd'hui, on va vraiment rentrer, on va dire cet épisode, on va vraiment rentrer sur les in and out de comment faire un permis de construire, on va dire les problèmes qui se posent, tout ce qui est permis de construire là, on va en faire. Donc je sais que pour commencer à faire les permis de construire, il faut travailler avec les architectes et tout ça. Et la semaine dernière, on m'a appelé en dernière minute, genre, ok, on a le rendez-vous de l'architecte. Donc, j'étais là et j'étais hyper fatiguée. Donc, on va mettre ça un peu avant de commencer ça. Vous allez voir l'importance d'avoir une architecte ou un architecte. En fait, c'est que tu fais un dossier, si je ne me trompe pas. Après, tu le soumets. Tu le soumets à l'État ou quelque chose comme ça, urbain. De toute façon, il y a quelqu'un qui va te dire tout ça. Et après, ils vont voir si c'est, tout est bien fait. Et voilà, après, ils vous donnent le permis de conduire, de construire. Pourquoi je continue à dire conduire? Parce que je pense qu'à permis de conduire, mais permis de construire. Et c'est ça. Anyway, today I'm very happy. Je suis happy. Yeah, il faut que je vous dise quelque chose. Tu sais, j'avais un examen aujourd'hui. J'étais à l'école. Et j'ai passé mon examen. Donc, je suis très contente. Comme vous voyez, ces temps-ci, je suis dans le mood. J'aime apprendre les choses. Donc, j'avais mon examen. J'ai crushed that. So, yeah. So, on va partir. Et on va partir voir Matar. Il va nous expliquer un peu comment faire un permis de construire. Et voilà. So, maintenant. Tout le monde est là. Il y a moi et Pape Abdou. Il y a Amadou qui est en cours. On va démarrer parce que je pense que les questions nous concernent beaucoup plus. Ça me va. Oui. Je vais revenir sur les plans eux-mêmes. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui peut être fait. Ok, Mary. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. On va dire maintenant, je vais faire stage pour Matar. On va faire un stage. Donc, j'avais dit qu'au début, on est en train de travailler sur les permis. Même le vendredi dernier, j'étais là. Vous m'avez appelé dernière minute pour réunion. Donc, moi, je voulais savoir. Moi, t'as pas de dire, je comprends même pas l'espoir de permis de construire. C'est quoi, en fait? Le permis de construire? Oui. Bah, son nom l'indique. En fait, c'est un permis, c'est une autorisation que l'État te donne. Là, bah, on va dire si c'est l'État, bien sûr. Parce qu'on
pour savoir sur chaque foncier ici au Sénégal, pour construire, il faut avoir une autorisation de l'État du Sénégal. Parce que si je dis l'État, il ne faut pas penser présence de la République. C'est normalement, ça se passe au niveau de la mairie d'abord et des services de l'urbanisme. Genre mairie, tout le mairie, aucun pays. Non, là où, si tu as un projet, par exemple, ici au point E, tu vas laisser ton permis de construire au niveau de la mairie. Ok. Ouais, du point E. Ouais. Okay. Et dans la mairie, il y a les services de l'urbanisme qui s'occupent du permis de construire. Ok. Ok, la fois que j'étais dans le réunion et moi, en fait, ma première question que je vais demander, est-ce que ça c'est pour tout le monde qui construit ou c'est juste pour les gens comme vous qui font comme commerçants, en fait, qui construisent pour vous? Il n'y a pas. Même moi aussi, j'achète un terrain, il me faut un permis. Normalement. Normalement. Ok. Pour construire. Mm-hmm. Que ce soit du nouveau, de la modification, rénovation. Dès qu'il y a un changement, normalement, tu as besoin d'un permis de fonctionner. Même modification. Ça pas parce ça. Que ça change. C'est pas. Pourquoi on fait les permis de construire? Il y a des règles à respecter. Ok. Par exemple, si tu as ton terrain, admettons, de 150 mètres carrés, tu ne peux pas construire sur les 150 mètres carrés. Ok. Il y a des espaces que tu dois laisser, il y a une aération, il y a un éclairage. Et tout ça, c'est le dossier du permis de construire qui va permettre de savoir que tu respectes toutes les conditions. Ok, donc on va dire la première semaine que j'étais là, donc les deux premières semaines que j'étais là, vous étiez vraiment beaucoup focalisé sur le dossier permis de conduire. En fait, le dossier, c'est quoi? C'est un long process que okay. Je t'ai expliqué la dernière fois. Ça commence au niveau du développement. Ok. Le DG fait le développement. Uh-huh. Il a le foncier. Qu'il a le foncier, il me le balance. C'est vrai. Donc de là, je commence à travailler avec les archis. Mm-hmm. En lui disant, voilà, nous on a un terrain de, par exemple, de 1000 mètres carrés, un beau temps d'appartement sur X niveaux. Okay. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Et tu lui donnes le nombre d'appartements. Voilà. Parce que c'est ça qui va nous permettre de faire la commercialisation et les coûts de construction et tout ça. Donc l'archi, sur notre demande, nous fait des ébauches. Il y a des premiers plans qui sortent. Pour une voie, par exemple, sur chaque palier, combien d'appartements, sur les niveaux, il y a les façades, il y a les coupes. Mm-hmm. Et c'est tout ce dossier que l'arche me donne mm-hmm. Qui va entrer dans le dossier du permis de construire. Mm-hmm. Et avant ça aussi, si le terrain m'appartient, okay. Il faut que je prouve à l'État, au maire, que le terrain m'appartient. C'est ça qu'on appelle le droit réel. J'ai une autre question par rapport à ça. Peut-être ça, c'est pour le développement. Maintenant, je n'ai pas fini parce que là, tu m'as coupé. Donc, avec le plan de l'archi, okay. Les dossiers juridiques, il y a le descriptif qu'on fait. Ça veut dire qu'un résumé du projet. Okay. Il y a le devis, combien ça va nous coûter pour okay. construire ça. Il faut mettre tout ça. Et c'est tous ces éléments qui construisent le dossier que nous construisons. Après, il faut savoir la zone où on construit. C'est ça que je dois voilà. Peut-être comprendre ça. Ah. Okay. Donc, on ne peut pas construire ce qu'on veut n'importe où. Okay. Donc, par exemple, si on est à côté de l'aéroport, on met parfois une limite mm-hmm. sur la hauteur, mm-hmm. pas dépasser certaines hauteurs. Okay. Donc, tous les bâtiments ont été détaillés par classification. Famille simple, après il y a des établissements recevant du compte public. Ok. Tarfus 10, Tarfus 15. Ok. Si on dépasse les 50 mètres, là c'est un autre problème. Il faut prévoir. Parce qu'un immeuble qui dépasse 50 mètres, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes. Ok. Quand on descend, il faut prévoir les pompiers, les fouches, descendent. Il y a plein de paramètres. C'est pas facile du tout le permis de construire. Ça, je me rends compte, en fait, il faut être là. C'est la transparence carrément. Comment ça va se passer carrément. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je suis quelqu'un qui veut acheter pour construire, il faut que vraiment je regarde. Tout ça, c'est important. Oui. Donc, ça, c'est Amadou qui fait ce travail avant ou ça se passe comment? Non, Amadou, le DG, lui, c'est le foncier. Le foncier. Il fait le développement, il cherche les partenariats. Ok. Lui, une fois qu'il a fini ça, il me balance le dossier. Donc, c'est vous qui faites le travail, c'est pas combien de tâches? Non, ça fait partie du développement. Okay. Il travaille avec le commercial. Il sait que, par exemple, il a un terrain de 500 mètres carrés. Combien de niveaux il peut faire pour pouvoir s'en sortir.
parce qu'on ne va pas prendre le terrain et puis ne pas s'en sortir. Donc tout ça, c'est Amadou qui fait. Donc Amadou, quand il me donne le travail, lui, il sait déjà combien de niveaux il faut, combien d'appartements, plus d'appart. Okay. Combien d'appart il faut avoir. C'est ça qui m'arrange en fait. Et c'est à toi de faire des maintenant, après, bah, il faut avoir, disons, 80 appartements. Okay. Pour avoir 80 appartements, bah, par exemple, il faut partir sur 10 étages. Ok. Là, je veux dire, déjà, les 10 étages dans la zone-là, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est interdit. Okay. On va essayer de voir dans les appartements comment on va, je ne sais, pour essayer de baisser le niveau. Ça prend environ combien de temps pour qu'ils te disent, ok, là, tu peux construire? Pour compter 2 mois. 2 mois? Mmh. Wow. Que ça passe dans tous les circuits. Ok. À une moyenne de 2 mois. Ok. Pour avoir le résultat. C'est comme un notaire, on fait rien de faire quoi. Ouais. Après, bah, en fait, maintenant, il y a un site informatisé. Ok. Sans qu'on a déposé les permis, tu peux savoir. Attends, réel ou un mis comme dossier, ça a quitté tel bureau, c'est parti dans un autre bureau, c'est parti dans un autre département. En fait, tu le suis. Il y a un tracking. Il y a un tracking maintenant. Donc, tu sais, à temps réel, ton dossier, il en est où? Quand c'est signé, c'est validé, c'est pas validé, tout ça. Et on va dire, quelle difficulté on va dire, tu as rencontré quand tu fais ces dossiers, ces deux dossiers, pour ces projets? Ah, pour le permis de construire, bah déjà qu'on sait ce qu'il faut faire, on n'a pas trop de difficultés. Non, je ne suis pas expert, mais bon. Non, je comprends, c'est mon travail. Ouais, c'est mon travail. Donc, on essaie de... Parce qu'à la fin, on sait que si on fait quelque chose qui n'est pas conforme, on va nous retourner le dossier. Okay. Et le dossier n'a pas de valeur. Donc, c'est dès le début, à la base, on essaie de respecter... Tout des normes. Et pour te dire aussi... Il y a un autre dossier qui l'accompagne, okay. La notice de sécurité. C'est quoi la réponse? Notice de sécurité, bah, ça c'est fait par un expert en sécurité incendie, okay. Qui vient voir nos plans, mm-hmm. Si les sorties, les escaliers, les ascenseurs, tout est conforme. Parce que quand il y a le feu, par exemple, ou quand il y a un effondrement, les gens courent. Well. Donc on doit pouvoir évacuer tout le monde. Voilà, sans cas. Tout ça, c'est un ancien pompier qui est expert dans ça, qui vient regarder nos plans et qui nous donne ses avis. Ça, il faut le changer, ça, il faut le changer, ça, c'est pas la bonne place. Et là encore, je retourne vers l'archi, je lui dis, ah, mais c'est l'architecte, l'expert en sécurité incendie, a donné ces points-là, donc il faut changer. Donc l'archi est obligé de changer, parce que sans ça, le dossier ne sera pas valide. En fait, c'est une trame de chaîne, en fin de compte, tu t'en rends compte. Depuis que je suis là, tout ce que je me rends compte, tout est lié, en fait. Tout est. C'est un projet qui vit. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut penser avoir tout OK. Mm-hmm. Une semaine après, on va se donner le tiers, c'est mieux comme ça. Alors que l'archivier, il a déjà avancé. Okay. Donc, revenir en arrière pour demander à l'archivier de changer, mm-hmm. Ça les agace aussi. Mais j'ai une question maintenant. Oui. Parce que là, tu viens juste de me dire que c'est un projet qui vit. Mais t'avais déjà, si tu avais déjà submis le dossier de post-train, est-ce que ça, tu peux toujours changer les choses sur l'architecture? Oui. Oui, c'est donc, là, comme tu le vois, on est en avant-projet. Avant-projet. Avant-projet soi-même. Donc, mais bon, même si on change au niveau du permis de construire, c'est l'agencement à l'intérieur. Mais il y a des règles qu'on ne peut pas changer. Okay. Par exemple, tout ce qui est les façades, la hauteur, c'est des choses qui ne vont pas bouger. Pour faire bouger ça. Et c'est à toi? C'est juste l'agencement à l'intérieur. Et ça, c'est en fonction avec l'archi qu'on peut échanger. Maintenant, je me rends compte que depuis que je suis là, je t'ai parlé beaucoup. Pourquoi en fait, tu es dans toutes les sens de ces projets? C'est ce que DG m'appelle chef d'orchestre. Chef d'orchestre, ok. Un chef d'orchestre, Trimble. Fait comme ça, tout le monde suit. Ok. En fait, je suis le relais entre la direction générale. Mm-hmm. Et j'ai la section technique et la section commerciale. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris qui amène nos jambes en fait, pour que tu sois aussi équilibré et polyvalent? C'est ça que je veux dire. Polyvalent? Oui. En fait, je suis au Sénégal en 2012. Depuis 2012, je suis de la France. Ok. Ouais, depuis 2012, j'ai évolué dans pas mal d'entreprises, dans le génie civil. Ok, génie civil. J'étais chef de projet construction. Ok. C'est pour ça que je peux dire que je maîtrise un peu la direction technique. Ok. C'est ce que je sais faire. Ok. Donc c'est pour ça que je suis polyvalent. La direction commerciale, c'est une fois moins compliqué que la direction technique. Mm-hmm.
Et là, c'est une occasion aussi pour moi d'apprendre un nouveau volet, parce que être responsable programme, je ne l'avais pas fait. Ok. Mais grâce à mes notions, on sort de notre classe. Je sens bien quoi, poisson dans l'eau. Ah, c'est bien. Donc là, tu répètes ça cette semaine, de toute façon. Are you excited? Well, comment tu te sens? Tu es quoi que? Je suis là pour cette semaine. On va voir ce que ça va donner. Non, bien, moi, tu es dessine. T'es égal. Mais t'as un merci au revoir. Merci à toi. Donc, de toute façon, on va se voir dans la semaine pour qu'on peut travailler sur ça. Non, mais on va nous voir. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Donc j'ai hâte. So anyway, bye guys. Donc là j'ai parlé avec Matar et moi j'ai vu que c'est lui qui fait tout le travail vraiment. Bon, je sais que c'est un travail d'échelle, mais il m'avait dit que c'est le DG qui fait la, on va dire le développement. Genre c'est lui qui choisit les tabacs, les endroits où il veut construire. Donc je voulais un peu le fatiguer. Je sais pas s'il est disponible, mais on va partir voir si il peut nous expliquer en fait comment il choisit. Ça va? J'espère que je ne dérange pas. Amine, elle n'est pas trop dit. Ça va? Ouais, j'espère que je ne dérange pas. Je n'étais pas censée te voir aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis plutôt avec Matar. Ouais. Mais en fait, je voulais. Tu peux t'asseoir là? Ok. S'asseoir un peu. C'est juste va. Une petite question. Yes. Est-ce que. Ouais, Lady, ni Barna. Ouais. Moi, je m'en t'arrive. Tu peux? Ouais, tu peux. Madame, maintenant, je suis DG, il faut me respecter. Respecte les mains. En fait, je vais voir si je vais prendre ça. Ok, je pense que c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Donc, je n'étais pas censée te déranger. Non. Mais en fait, quand je parle avec Matar sur le permis de construire, il m'a dit en fait, c'est toi qui fais le développement. Yes. Après, tu lui donnes. Après, c'est lui qui fait tous les gnamagnamas en fait. C'est ça, le montage. Que je traduis pas gnamagnamas. Le montage du dossier. Je voulais savoir comment tu fais pour choisir là où tu construis en fait, parce que c'est toi qui choisis apparemment. Oui, tout à fait. Comment tu fais? Alors, il y a plusieurs critères. Ok. Il y a l'emplacement. Ok. Il y a la taille de la parcelle. Ok, c'est important. C'est très important en fait. Mm-hmm. Donc l'emplacement, la taille, voilà. Donc c'est principalement les deux critères. Mm-hmm. Et bon, je pourrais rajouter un troisième critère qui est la situation juridique du foncier. Est-ce que c'est un titre foncier ou pas? Est-ce que c'est un bail? Est-ce que c'est une délibération? Voilà, tout ceci rentre en compte dans notre choix. Et c'est toi qui fais tout ce travail bien avant? Oui, tout à fait. Okay. Donc moi j'ai en charge le développement foncier. Okay. Le développement foncier, comme son nom l'indique, hein, c'est ce qui nous permet d'avoir des projets sur lesquels on travaille. Okay. Donc je suis souvent contacté par des gens qui ont des terrains, mais moi aussi dans mon réseau. Mm-hmm. J'ai plusieurs personnes qui m'aident à trouver ces gens-là, qui cherchent à faire des projets, qui ont un terrain soit à vendre ou un terrain pour un partenariat. Mm-hmm. Là, on est plutôt dans une dynamique de partenariat. C'est que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est intéressant pour ouais, tout le monde. Franchement. Et donc, l'idée, c'est de voir voilà, comment travailler sur ces terrains-là. Okay. On établit souvent le contact. Moi, j'aime bien le contact direct avec le propriétaire. Ouais, tu me disais, voilà, parce que tu es parti parler avec un des propriétaires pour 3 ans temps pour avoir le feeling. Quoi. C'est important. C'est important. Si ça ne se passe pas bien dès le début, on pourra travailler ensemble. Ça passe pas. Et en général, les projets qui arrivent à bout, on les sent dès la première rencontre. Okay. Voilà. Et donc voilà, on est aussi formé pour ça, okay. Pour expliquer ce qu'on va faire, c'est très important. Et ça permet de tisser un lien dès le premier contact et ensuite d'avancer avec En fait, toi, il faut que tu aies une vision quand j'y pense. Je pense que ça, je peux développer ça, je peux avoir tant d'appartements commerciaux. Il faut que tu regardes jusqu'au bout en fait. C'est ça. The bigger picture. Yeah, c'est un mélange en fait. Ouais. Y a des techniques par contre. On va dire qu'il y a une approche technique, d'accord, sur laquelle on doit être formé. Okay. On doit savoir quel est le ratio. La jungle quoi. Ouais, jungle, d'accord. Jungle quoi, de faire la jungle. Ok. De faire la gham sur un terrain. Okay. Qu'est-ce que c'est une emprise au sol, okay. Voilà, ben, coefficient est appliqué. Est-ce que c'est un façade ou pas? Est-ce qu'il y a une maison derrière, sur les côtés? Donc il y a des reculs à faire, ce genre de choses. Il faut savoir aussi. Où va sortir le sous-sol, la rampe d'accès au sous-sol, est-ce que c'est possible en façade, est-ce que c'est sur le côté, etc.
combien de mètres ça doit prendre une rampe. Donc fou, voilà. Hein. Ouais, ouais, c'est un vrai métier. Wow. C'est un vrai métier. Il y a des gens qui sont formés que pour ça. Ok. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'être formé sur le développement foncier là-dessus. Donc ça me permet de me projeter. Okay. Dès qu'on me dit un terrain allez, de 600 ou 700 mètres carrés, dans la zone, selon la zone, je sais aussi à peu près la zone où on peut monter hauteur ou pas. En général, c'est l'environnement qui te dicte un peu les choses. Même si à Dakar, il y a des zones, voilà, chaque zone a sa politique entre guillemets, que l'urbanisme défend. Et là-dessus, ça nous permet nous de pouvoir nous projeter. C'est ce qu'on appelle une faisabilité. Moi, dès que j'arrive, je repère, j'identifie. Est-ce que le propriétaire est vraiment le propriétaire de la parcelle? Ça, c'est fondamental. Ouais, c'est ça que Matar me disait, voilà. c'est l'un des trucs les plus importants. Voilà, en fait. C'est ça. Donc, il me présente l'état de droit réel avec ses papiers, donc j'identifie les choses. Je l'écoute aussi, parce que souvent, il y en a qui disent, écoute, j'ai en tête un projet, je veux faire ça ou ça, ça. Maintenant, c'est une discussion, on se rend compte, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire. Je vois. Voilà, une fois cette étape-là terminée, toutes les vérifications sont bonnes, j'ai pris toutes les informations, combien de personnes sont sur le terrain. Si c'est quelque chose comme héritage, c'est genre Exactement. C'est important, si c'est 5 personnes par exemple, on sait que minimum 5 appartements, ça aidera, tu vois, parce qu'il faut attendre le nom pour que le partage se passe plus facilement. Il y a tous les trucs, quoi. Donc, c'est énormément de paramètres qu'on doit rentrer dans les cases. Et ensuite, voilà, arrivé dans mon bureau, je me pose. Souvent, je le fais avec Matar. Voilà. Et j'appelle aussi le vecteur technique. J'ai dit, Matar, toi, tu es dans tous les sens. Depuis que je suis venu, tu es partout. C'est le chef de projet, hein, c'est lui le chef d'orchestre. C'est ça qu'il m'a dit. Il organise tout. Et entre moi, entre le vecteur technique également, Pac aussi, Raissa, etc. Voilà. En fait, dans mon travail de développement foncier, j'arrive, je pose le terrain. Je regarde, j'ai toutes les informations sur la zone, etc. J'appelle Matar, je dis écoute Matar, on va faire ça, on fait ensemble la faisabilité. Et pendant la faisabilité, je vais appeler Raissa. Je vais dire écoute Raissa, j'ai un terrain à tel endroit. Dans cet endroit-là, à combien tu penses que tu peux sortir le prix au mètre carré à la vente? Ça c'est très important parce que ça m'aidera dans la faisabilité de savoir si le projet est rentable pour nous ou pas. Ok, donc commercialement c'est important. Exactement. Donc, il faut que là aujourd'hui aussi je parle à Raissa. Même pas aujourd'hui parce que je pense qu'elle n'est pas là, donc demain. C'est ça. Je vois. Tu pourras la voir. Donc je la sollicite là-dessus. Elle me dit écoute, dans cette zone-là, je peux vendre entre temps et temps. Ok. Donc voilà, elle aussi elle a une cartographie de tout Dakar et c'est à tel endroit, combien de carrés. Tu vois, donc c'est son travail. Okay. J'appelle Papa Bou. Je lui dis écoute, ce terrain-là, il y a telle spécificité. Par exemple, si tu es à proximité de la mer, on sait que le sol, voilà, l'eau va remonter rapidement. C'est monsieur technique. Ça a un impact énorme sur ses coûts de construction. Ouais. Tu vois, donc selon le standing que l'on vise aussi, je l'appelle, je lui dis Pap, dans tel endroit, tel, deux niveaux de sous-sol ou pas, est-ce que c'est un niveau de sous-sol, tu vois. Et donc lui aussi, il va m'orienter sur les ratios à appliquer. Okay. Je prends toutes ces infos-là, j'ai le mouline parce qu'on a des outils aussi en interne qui nous permettent rapidement de mouliner les choses, de mettre ce que je dois donner à la personne, voilà, les commissions des intermédiaires, parce que ça c'est le travail au Sénégal, les intermédiaires. Donc voilà, je mets tous ces paramètres-là, je mouline tout ça et je regarde est-ce que le projet il est rentable ou pas. Ok, je vois. Il y a un seuil de rentabilité aussi. Après, tu as commencé à faire le travail de tout ce qui est permis de conduire, le terre et tout ça. Exactement. Permis de construire. Non, c'est pareil, c'est différent. Non, mais après voilà, je fais une offre. Ok. C'est là où je fais une offre. Ok. Je le présente au propriétaire. Ok. Et on discute dessus. Mm-hmm. Donc, des fois, ils vont dire non, cet appart à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup faut de trucs. Moi, je veux un F3, plutôt un F4, etc. etc. Mais en général, cette étape-là, elle est rapide parce que, parce que j'ai la réputation, malheureusement, de ne pas trop aller. Ah ouais. Je fais la meilleure offre possible que je peux faire. Je le donne. Dodo le gagne quoi. Non. Mais... Ah, mais tu le fais d'une. Je comprends. C'est ça. C'est que l'idée, c'est pas non plus de tirer à la longueur. Ok. Des discussions interminables. Je fais la meilleure offre possible. Il regarde. Donc, souvent, ils se rendent compte quand même que voilà, c'est une belle offre. Donc, il vient quoi. J'explique tout ce que je fais. Je détaille tout. Je me suis rendu compte de sa transparence, mais il voit tout le temps. Exactement. En tout cas, je fais de mon mieux là-dessus. Ouais, ouais. Pour que la personne ait toutes les informations pour le projet. Et une fois que ça c'est bon, je lui présente l'offre, on discute. Et si on arrive à une formalisation, donc il signe l'offre. Et dès qu'il signe l'offre, il nous donne tous les papiers. Donc on va formaliser chez le notaire. Okay. Si on a le temps avant de formaliser chez le notaire,
avec la signature de son offre, je lance les architectes pour une première faisabilité technique. Ouais, ouais. Parce que voilà, c'est eux qui seront beaucoup plus précisément. Okay. Mais voilà, donc ça permet de confirmer tout ça et d'aller chez le notaire ensuite. Mais non, moi, je suis que j'ai pensé, comme je disais à mon temps, que je pensais qu'en fait tu achètes le terrain et tu construis. Non. Non, mais justement, ce qui conditionne, hein, j'avais une formule. Mon PDG, qui m'a beaucoup formé dans l'immobilier, me disait tout le temps, Amadou, tu achètes de la surface de plancher et tu vends de la surface habitable. Okay. Donc, acheter de la surface de plancher, c'est tout ce que tu construis sur le terrain. Et donc, le fait de savoir la valeur de ce que tu vas construire sur le terrain te permet en fait de savoir si tu es rentable quand tu vas vendre ce que tu as construit. Je vois. Donc tu achètes de la surface de plancher, tu achètes ce que tu construis et tu vends ce qui est fini. Ce qui est fini. Entre ce que tu construis et ce qui est fini, il y a beaucoup de perditions entre les deux. J'ai toujours choqué, je suis toujours en train d'apprendre. Anyway, thank you, je ne veux pas trop te fatiguer. Je t'en prie. Are you excited? Tu étais un peu nerveux pour le permis parce que je pense qu'il va le mettre cette semaine. Yes, Bataille. On dépose cette semaine. Ouais. Non, je ne suis pas nerveux, je suis confiant. Non, 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 je suis confiant. Il y a l'expert bien quoi. Il y a le bar. Bye. Ciao, ciao, merci d'être passé. Merci. Je pense que j'ai fini ma journée d'aujourd'hui. Il faut juste que je parle au commercial, mais elle n'est pas là. Mais je vais lui parler demain, de toute façon, je vais venir. C'est 90 jours chez Réalité. Et du coup, demain on est là. Et voilà. So, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Mais demain, je suis choqué. Que tu ne prends pas le terrain et tu construis. Il faut permis. Anyway, c'est un de voir les plans avec une directrice. Je la fatigue trop. Mérissa, moi, tu sais, quand je pensais à l'immobilier, quand je pensais à toi, c'est lié en fait. Je pensais que tu avais la vente, quoi. Après, quand tu avais fini, pas parce que la vente. Mais hier, quand on parlait du permis, pour nous, est venu hier. Raïssa. Même quand j'ai vendu une dernière, j'étais dans la réunion avec l'architecte. L'architecte. Et ça a revenu. Mais pourquoi toi, tu dois avoir tes mots à dire sur le permis? Bah, écoute, on va dire en quelque sorte, c'est nous qui représentons les clients. Ok. Quand il faut faire les plans. Donc, vu qu'on est en contact direct avec nos clients, donc on est obligé de s'assurer qu'on est à l'écoute de notre marché. C'est-à-dire que le fait de les côtoyer tout le temps sur des projets, on arrive à savoir les besoins. Par exemple, là, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de clients ont besoin d'une chambre pour la nounou. Ok. Parce que quand tu as des enfants en bas âge, tu as besoin d'un espace pour la nounou. Ok. Donc ça, il faut qu'on se mette à jour. Ok. Et j'ai proposé des appartements qui prennent en charge ce point-là. Ok. Donc, peut-être que la technique, ils ne savent pas. Eux, ils construisent, ils sont là, ils font leur travail. Mais nous, on prend les écoutes de nos clients. On essaie de les transcrire et de les traduire sur nos partenaires. On va dire que toi, tu travailles pour la réalité, mais tu représentes la cliente. Ah, ben oui, forcément, parce que in fine, c'est pour eux les appartements. Okay. Donc, c'est eux qui y vivent, c'est eux qui y habitent. On essaie de prendre quand même en considération les habitudes de vie. Ok. C'est-à-dire que. On est des Sénégalais, on est toujours au Sénégal. Effectivement. On a l'habitude d'avoir du personnel de maison. Le personnel de maison dans les immeubles que nous faisons doit être intégré. Mm-hmm. C'est pas comme en Europe, par exemple, ou dans d'autres continents, où tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un constamment chez toi pour le ménage, pour la cuisine. Donc c'est comme ça et on est intègre. Ok, quand je parlais avec Amadou hier, il me disait que genre, parce que. Au début, je suis partie chez Mata direct, comme c'est lui qui posait pour le permis. Après, il m'avait dit que c'est Amadou qui fait le développement. Oui. Et Amadou m'a dit, avant qu'il parte chez Mata, il vient te voir. Oui, forcément. Parce que c'est rentable. C'est rentable. Parce que pourquoi je veux dire, il ne faut pas qu'on se démonte. L'idée, c'est que c'est du business. Ok. Donc, il faut qu'on puisse
être rentable, que le projet puisse porter de beaux fruits. Maintenant, si aujourd'hui on fait un projet où on ne gagne rien, bon, on fait du bénévolat. Il y en aura certains qui vont habiter, mais bon, on reste là. Okay. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est pouvoir aujourd'hui développer Dakar architecturalement. Mm-hmm. Et en plus, par la même occasion, faire du bénéfice. Mm-hmm. Donc ça, il faudrait qu'on puisse, à la base, par rapport à la zone, par rapport au standing qu'on prévoit de mettre, de voir à combien on va vendre, quel type d'appartement va marcher dans la zone. Okay. Est-ce qu'il faut faire tester un nouveau produit? Oui. Et c'est ce qu'on va faire dans les nouveaux projets. On va tester des nouveaux produits. Donc, ce sera une grande première sur Dakar. Pour la promotion immobilière. Achou. Donc, voilà. Donc, sur les modèles d'appartements, on va en tester deux. OK. Donc, on ne va pas plutôt se limiter à un duplex. On va essayer de voir plus haut. Plus haut. Oui, toujours plus haut, encore plus fort. Et comment, on va dire, comment tu te sens? Parce que quand je te vois, tu as quand même... Ça fait 15 ans que tu es dans le milieu. Ouais. Comment tu te sens quand tu vois que tu commences à un peu changer les choses, tu vois? Oh. Et quand je me dis que je suis partie... avec Raïssa aux États-Unis et elle vend trop bien. Elle s'y connaît. Non, mais le truc, c'est qu'on est vraiment ravis. Moi, quand je vois le secteur, comment il évolue, il y a de nouvelles entreprises qui arrivent, qui essaient de faire la même chose que nous, mais qui se mettent à nouveau. Et c'est ça, c'est de ça. On a besoin de ça, quoi. Ouais. Donc, quand je vois certains bâtiments, la qualité et maintenant la peine que les promoteurs se donnent pour mettre de la qualité, parce que les gens, ils sont avertis. Mais hier, je te disais ça, je suis venue ici, je te disais, mais Raïssa, moi, depuis que je suis là, et je vois les contrats que vous êtes ensemble, je ne pouvais pas autant savoir ça. Comme ça, tu m'as dit, mais ah ouais, des gens qui savent la qualité. Oui, en fait, les gens se disent souvent, pourquoi vous avez opté de faire un projet comme ça? La chose la plus simple, j'ai parlé à un contact qui était intéressé par le projet Siki. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Madame, moi j'aime les belles choses et les bonnes choses. Okay. Donc c'est une personne avertie. Il faut qu'on puisse distinguer les différents acheteurs. Il y a des acheteurs qui sont avertis, qui sont aguerris, et donc qui ont fait leurs armes dans le secteur de l'immobilier, et qui savent, comme disent les Ivoiriens, connaissent qu'on est. Donc quand ils voient une fiche descriptive ou notice, ils peuvent te dire si ça sera de la qualité ou pas. Fiche descriptive, notice descriptive. Elles vont décrire tout ce qui va voilà. Dans... C'est ça, voilà. J'ai appris ça quand je suis venue à Genève. Donc, quand on vend mon appartement, le client, il a non seulement un contrat, il a la notice descriptive de l'immeuble, donc qu'est-ce qu'on va mettre dans les escaliers, donc, tout ça. Ça doit être comme ça. Comme ça. Normalement, c'est ça. Mais dans les choses jouant, ici à Dakar, la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'avoir autant de documentation disponible et à leur disposition. Donc, ce qui arrive souvent, ils se chamaillent même pour avoir leur contrat. Après la suite du contrat, on ne sait pas, à la réception, il faut venir juste demander à l'étier, on dit voilà votre appartement, vous n'avez aucun document de support pour vous permettre de comparer ce qui a été signé et ce qui est livré. Tu sais comment aux États-Unis, c'est comment je vois nous, c'est comme si tu n'étais pas là. Mais toujours, on a un papier qui montre on va mettre ce tel. Oui, c'est tel. Ok. C'est comme quand tu vas au restaurant, on te donne un menu, tu composes son menu et tu es sûr que quand le serveur arrive, ce que tu vas avoir. Mais je pense que ce serait dommage d'être au restaurant, de s'asseoir, il amène un plat et on se regarde en se disant c'est de la viande ou pas. Okay, donc, c'est pas évident. Okay, donc, je pense qu'il faut être dans une démarche transparente. Ok. De fournir la documentation. Mm-hmm. Et tout ça, permet aujourd'hui d'aboutir à un travail où on prévoit des points, des fonds adaptés. Oui. Et c'est comment tu sais que, genre, par exemple, parce que Amélie me disait quand vous faites du développement, il dit pas, tu peux savoir ici c'est rentable parce qu'ici tu vas créer un truc de luxe ou tu vas créer quelque chose de loin, pas que si, pas que voilà. Les gammes sont définies par la zone. La zone, comme on dit toujours en immobilier, tout est question de position géographique. Ok. Il n'y a pas de secret. Mm-hmm. Je veux dire, on aurait pris ce même immeuble Siki, on l'aurait mis à tout casser, hein, je dis ça comme ça, pas pour caricaturer. On l'aurait mis à Sébicotan. À Sébicotan, il n'y a pas d'accès autoroute. Il n'y a pas de route. Dans une zone où tu traverses des pistes et tout, les tarifs.
même l'immeuble s'il est beau, s'il est magnifique, l'accessibilité, la zone, le cadre, il faut vraiment que personne ne va s'intéresser à ce projet. Mais tu prends le même projet, tu le replaces dans un environnement comme au centre-ville ou par exemple à Mermoz, au Point de, même aux Almadou, ça devient un joyau. Je vois. Donc, il faut toujours mettre à la bonne place. Donc, moi, ce que j'ai, on va dire ce que j'ai pris de ce, tout ce permis, en fait, le développement est hyper important. Oui. En fait, il faut avoir le savoir qu'est-ce que tu veux construire, c'est qui ta clientèle. Oui. Parce que ça, c'est... Ah, mais c'est, le, c'est la première chose. La première chose. Le ciblage, la segmentation. Mm-hmm. Donc, il faut savoir à qui tu t'adresses, mm-hmm. à qui tu veux t'adresser. Mm-hmm. C'est important. Mm-hmm. Donc, dans ce sillage-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis, ben, j'ai observé le marché pendant le projet Siki. Mm-hmm. Donc, on a des demandes à tel produit. Okay. Par exemple, sur les studios, okay. on a des demandes. On a des gens qui sont intéressés par des trois chambres de salon, mais ce qui les bloque souvent, c'est qu'ils n'ont pas un espace pour la nuit. Je comprends maintenant. Donc, on se dit, mais il faut trouver une solution. Donc, c'est comme ça. Demande des offres. Oui, demande des offres. Parce que je dois et quand tu crées une offre qui répond vraiment et qui se match mm-hmm. direct avec leurs besoins, la personne, elle se dit, bah, ce que je veux, ça rend pour. Et je suis prêt à mettre ce pour la. Ok. Je vais faire du dans toutes les sens dans cette affaire. Je comprends. Ben, en quelque sorte. Voilà. Donc, de toute façon, merci. De toute façon, on va te voir. Oui, on se verra tout à l'heure pour la séance. Il n'y a pas de souci. Merci. Hein. Mais you're welcome. Ok, bye.